Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente la recette d'un pain d'une spécialité turque. En fait, c'est un pain qui se fait spécialement plus pendant la période du Ramadan, mais bien sûr, ça se fait tout au long de l'année aussi, mais spécifiquement spécial Ramadan. Alors, je vous présente la recette. On va commencer par faire notre pâte. Pour cela, il nous faut 300 ml de lait et 300 ml d'eau. Une cuillère à café de sel, 2 cuillères à café de sucre et un sachet de levure boulanger. Une levure déshydratée, mais bien sûr, si vous avez de la levure fraîche, vous pouvez utiliser un carré de levure fraîche. Je mélange le tout. J'ai oublié de préciser, l'eau et le lait doivent être tièdes. Moi, je les ai fait réchauffer ensemble. Cela va permettre à notre pâte de lever plus rapidement. Nous pouvons commencer à pétrir. Avec les mesures là, vous aurez besoin d'un kilo de farine. Donc un kilo est pile poil suffisant. Parce qu'il faut avoir une pâte qui colle au doigt. Car si vous faites une pâte très dure ou une pâte qui ne colle pas au doigt, ben vous n'aurez pas un pain moelleux. Il sera dur même après la cuisson. Donc c'est pas ce qu'on veut, au contraire, il faut qu'on ait un pain bien moelleux, bien aéré. C'est pour ça qu'il faut que la texture de notre pâte soit assez collante. Donc veuillez respecter les mesures. Voilà, au bout de 5 à 7 minutes de pétrissage, vous pouvez très bien réaliser la pâte à la main. On obtient une pâte bien élastique, mais qui colle au doigt, comme vous le voyez. Maintenant, je la recouvre d'un sachet. Et je laisse reposer à peu près 30 à 40 minutes, tout dépend de la température de votre pièce. Au bout de 30 minutes, ma pâte a bien levé, comme vous pouvez le voir. Je vais la diviser en 3 pâtons. Bien fariner votre plan de travail, car c'est une pâte qui colle assez. C'est une recette super simple, qui ne demande pas beaucoup de temps, pas beaucoup de technique. Vraiment super simple, efficace. N'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. Donc, je forme mes 3 pâtons. Et je vais le laisser reposer à peu près 10 minutes. Je les recouvre pour pas qu'il n'y ait de croûte sur la pâte, pour pas que la pâte soit sèche sur le dessus. Et je laisse reposer 10 minutes. Pendant que mes pâtons reposent, je vais préparer la sauce que je vais mettre dessus. Alors j'ai à peu près 2 cuillères à soupe de yaourt nature. Je mets un œuf entier et je vais verser 2 cuillères à soupe d'huile. Là, moi, j'utilise de l'huile de tournesol. Cette sauce va permettre à notre pain d'avoir une belle dorure. Donc je fouette le tout pour avoir une texture bien lisse, bien homogène. Au bout de 10 minutes, mes pâtons ont bien gonflé, comme vous le voyez. Donc là, je prends mon plateau du four et je verse directement ma boule sans farine, sans rien. On n'utilise plus de farine à ce stade. Si vos mains collent beaucoup, trempez vos doigts dans la sauce et aplatissez la pâte à l'aide de la sauce. Ça vous évitera d'utiliser de la farine. Et légèrement, en appuyant, on donne la forme à notre pain. Il faut que ça soit une épaisseur à peu près de 1,5 cm, 2 cm. Ne la faites pas trop fine ni trop épaisse, parce qu'elle va quand même gonfler à la cuisson aussi. Vous n'avez même pas besoin d'un rouleau à pâtisserie. Les doigts font l'affaire, comme vous le voyez. C'est une pâte tellement élastique qu'elle prend forme directement. Et un conseil, aplatissez votre pâte sur votre plateau directement ou alors sur votre papier sulfurisé, car si vous la baissez sur votre plan de travail, vous aurez beaucoup de mal à la mettre sur votre plateau. Ensuite, je trempe mes bouts des doigts dans la sauce et je donne des formes carrées en appuyant bien jusqu'au fond. N'hésitez pas à appuyer car à la cuisson, ça va gonfler. On fait cela pour avoir notre belle forme. Et si ça colle aux doigts, ben vous n'hésitez pas à retremper vos doigts dans la sauce.
Et je fais de même avec mes deux autres boules de pâte aussi. Voilà, mes trois pains sont prêts. Je les badigeonne de sésame ainsi que de sésame noir. Mais vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif. Et ensuite, je laisse reposer au moins 30 minutes. J'ai préchauffé mon four à 230 degrés. Dans le fond de mon four, je mets une toute petite bassine d'eau. Cela va permettre à notre pain d'avoir une meilleure cuisson. Et j'enfourne mon pain pour à peu près 20 minutes à 230 degrés. J'ai mis ma plaque en dessous de la grille du milieu. Moi, chez moi, ça a duré 20 minutes, mais vérifiez la cuisson. Il faut que le dessus ainsi que le dessus soient bien doré. Donc vérifiez bien la cuisson. Voilà mon pain au bout de 20 minutes. Il a très bien doré. Il est extrêmement moelleux déjà rien qu'à la sortie du four. Donc une fois sorti du four, j'enfourne mon deuxième plateau. Pareil pour 20 minutes. Et une fois que mon pain est sorti du four, tout de suite, je mets dessus un torchon propre. Comme ça, il va être extrêmement moelleux. Voilà, notre pain est refroidi. Il a bien doré des deux faces. Et il est extrêmement moelleux. Comme vous pouvez le constater. Maintenant, je vais vous couper pour vous montrer l'intérieur. Il est excellent. Et vous pouvez très bien congeler cette recette de pain. À la sortie du congèle, ben, ça sera comme si vous venez de le faire en fait. Si vous voulez, vous pouvez le réchauffer au four, au micro-ondes ou alors le laisser décongeler tout seul. Il sera extrêmement moelleux comme si vous venez de le faire. Alors je vous montre comment moi je le mets au congélateur. Je coupe mon pain en quatre. Et je mets chaque petit morceau dans un sachet de congélation. Comme ça, je sors au besoin. Et ça se conserve assez longtemps au congélateur. Et c'est super bien aussi pour faire des sandwichs. Des pains à sandwich, ça passe super bien. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la petite cloche pour avoir les notifications dès que je publie des nouvelles recettes. Et laissez-moi un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine recette.